Thank you.
Bonsoir à tous. Bonsoir. Comment ça va, hein? Ça va et toi? Ça va, ça va, ça va, ça va. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aucune idée. Continue Aucune idée. l'humanité. J'ai cru voir qu'à un moment donné, il y aura peut-être un problème avec le code, si jamais j'ai bien pu comprendre, non? Oh, c'est le même problème que la dernière fois. Je vais pas avancer dessus, donc. D'accord. J'ai cru voir GatGat nous parler d'un mini truc un peu chiant. Mais j'ai bien Non, compris. la mise à jour, on la fera pas ici. D'accord. Ok. Donc tout va bien alors. On peut Ouais. dire ça. Alors, oui, donc petite nouveauté, maintenant on a un bot. Quitte à ce qu'on ait des viewers en bot, autant qu'on en ait un à nous. Ce serait pas mal. Du coup, j'espère que le son va bien. Qu'il y a un petit enfin, que ce soit pas trop fort. Et on va commencer, je pense. Ce serait pas mal. Hop, tac, bon, voilà. On est là-dessus. Alors. Sur qui? Ah merde. Oh non, non, ça sert à rien à voir ça. C'est sur un autre jeu. Vous n'avez rien vu. Oups. Vous n'avez rien vu. Ce n'est pas ce qu'on voulait montrer. Hop, voilà, c'est mieux. Au moins comme ça, on switch sur un truc un peu plus. Voilà. Alors, bon, j'ai une mise à jour Windows, je ne sais pas ce qui s'est passé. Maintenant, sur Word, les pages sont devenues pas blancs, mais noires en fait. Je sais pas si Le tu. fond de la page est noir. Ah, c'est le dark mode, ça. Ouais, mais vu que je fous le dark mode partout, car je ne supporte pas avoir trop de lumière, tu vois. Genre, tout est en dark mode chez moi, que ce soit mes recherches Google, que ce soit mes. Et ben voilà. Même les pages de Word, elles sont en dark mode noir. Ouais, voilà. C'est. Qu'avons-nous fait au bon Dieu, quoi. Mais no panique! No panique! It is le hockey. Alors, on a plutôt bien avancé sur ce qui est de ce qu'on va exploiter dans le jeu. Après, il faudra qu'on fasse des tests. Il faut. Alors, les items, on est bon, il y en a assez. Les events, on en a ouais, suffisamment en vrai. En fait, c'est les monstres qu'on n'a pas assez, il me semble. Juste que je vérifie. Le template d'équilibrage, bon voilà, bon, ça. Ouais voilà, c'est le Monster Pool qui va pas du tout. Dans le sens où il n'y a pas assez. On avait fait la dernière fois un squelette. Un Calcium Boy. Vu qu'il est C'est vrai impassif. que les ennemis, je sais plus trop ce qu'on a en fait. On avait des Voilà. gobelins, principalement, un truc comme ça, non? Il y a des gobelins, il y a des orques, il y a des cultistes, il y a des. Une ondine réanimée, genre une. Donc, pour ceux qui n'ont aucune culture et qui confondent ondine et sirène, en gros, c'est une sirène mort-vivante. On a des brigands, on a des squelettes, des zombies, on a des mini-boss. Et on n'a pas encore fait les boss du donjon. Car il faudrait déjà voir le niveau de difficulté en fait avec les monstres de base et les mini-boss pour avoir, comment dire. Une bonne idée de ce qu'on devrait faire en termes de passif, de pouvoir et tout pour les boss, parce que sinon ça risque d'être ben, un petit peu comme un pétard mouillé quoi. Donc c'est pour ça. Pour l'instant, mais voilà, les mini-boss par contre, on en a quoi, 5 là. Un aventurier changé en loup-garou, un huntmonger, un minotaure, un cultiste honoré, un golem de chair. Qu'on avait fait en dernier d'ailleurs, le golem de chair, on l'avait fait ensemble, du lore. Mais effectivement, on n'a pas assez de petites merdes à péter. Donc on va peut-être faire d'autres petites merdes à péter. Ce serait pas mal. Voilà. Alors bon, on va essayer quand même de pas trop partir dans le trop conventionnel. Dans le sens où. Comment dire? Même si jamais le jeu veut être une espèce de médiéval fantastique un peu générique en termes de l'univers, parce que c'était. Voilà, c'est un peu ça le délire en fait. C'est une autre interprétation du médiéval fantastique générique. On va peut-être essayer de pas trop pomper là sur les univers comme Warhammer ou Donjons et Dragons ou Tolkien par exemple. Genre les Skavens, genre les hommes rats par exemple. Je suis pas chaud pour les mettre parce que c'est vachement emblématique je trouve de Games Workshop là sur le Warhammer Age of Sigmar.
Vu qu'ils ont fait, enfin, ils ont fait deux jeux dessus qui ont été un peu. Pendant un bref moment, quand même, le digne héritier de Left 4 Dead. Maintenant, moins. Si tu parles du jeu vidéo? Ouais, par exemple. C'était comment ce jeu-là déjà? Parce qu'ils C'était en ont fait un deux, je Vermintide. crois. Ils avaient fait Vermintide et j'ai les deux. Et c'est. En fait, tu te fous sur la gueule avec des scavens, principalement dans le 1. Ouais. Et après, dans le 2, ils ont rajouté tout ce qui est un peu chaos. Monstre du chaos, un Parce peu que développé. le 2, j'y ai pas joué du tout. Le 1, j'y ai joué, mais tout seul, et tout seul, c'est pas passionnant. Non, C'est non, vraiment c'est pas le genre de genre de jeu jeu, où il faut mec. jouer tout seul. Faut jamais jouer tout seul à ce genre de jeu. Hein. Sinon, tu te fais grave chier. Voilà. Hein. Non, c'est pas quelque chose de super marrant, quoi. Sinon, tiens, j'ai pas fait l'annonce, moi, sur le Discord, qu'on était en live. Donc, on va faire. Hein. Tac. Après, on va se mettre à bosser quand même. Hop. Voilà. Comme ça, du coup, on est bon. Et donc, du coup, oui, on avait fait. Bon, après, ce que je viens de dire, tout le monde va me dire, ouais, enfin bon, t'es mignon, mon petit grand, de dire ça, mais t'as quand même fait des gobelins, des orques et des squelettes, quoi. Donc, bon, sur l'originalité, on passera. On repassera. Donc. Ce qui va se passer, c'est qu'on va introduire un peu plus de lore du JDR de base, sur lequel on s'est inspiré. Donc, on va introduire, je pense, tout un thème de monstres, qui est en fait un petit peu à mi-chemin entre les brigands, les cultistes et les morts-vivants. Ce sont les nécro-trackers. Donc, voilà, même le chien, il a l'air d'être tout estourbi de ce que je viens de dire. Alors. Qu'est-ce que c'est que ça que les nécro-trackers, tu me diras, tu vas me dire, oh là là, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu vois, Alors, les nécro-trackers. Bon, dans l'univers de ce jeu, il y a eu un délire de. En fait, c'est peut-être même été les premiers ennemis qui ont été créés pendant le JDR. Il y a le Gadget, il a rejoint, il dit même pas Ah bonjour. bah, dis donc, salut Gagat. Ça va? Bonsoir. Ah ouais, t'as encore crevé toi. Pardon, c'est que j'ai dit bonjour tout à l'heure, mais mon micro n'était pas détecté. Ah ouais, d'accord. Ah. Pas pour moi. Est-ce que tu croyais vraiment qu'on était en train de te lâcher des gros vents depuis tout à l'heure en mode genre, hey, je suis là les gars, on s'en Hey, coucou, J'ai entendu les un petit copains. notif Discord, mais à part ça, ouais, j'ai rien entendu. Donc... Comme ça. Après, au J'écoutais. début, t'étais mute aussi. Oui. Ouais, en Je t'ai plus vu. ça aide pas quand t'es en mode streamer, le truc il t'inter... Enfin, il te dit pas Ouais, hop t'as hop pas les hop. notifs. Ouais. Bon, c'est mieux parce que sinon en fait le truc entendrait toutes les 2 secondes. Tudum, tu vois, alors ça serait chiant Ouais, quoi. ce serait très chiant. Ouais, non mais c'est clair. Donc du coup Gadgad, ça va? Ça va. Ok. Et vous, Bah comment écoute ça. allez-vous? Moi ça va. Comment vas-tu là? Moi ça va, je l'ai dit tout à l'heure. Ouais je sais mais bon c'est Le mec s'est quoi. Non mais Bon, voilà tu vois genre on bon, essaie d'être personne ne me demandait, j'en ai sociable marre. non non mais c'est cool hein tu vois on essaie d'être sociable on essaie de tout faire et tout et puis c'est comme ça qu'on est remercié super quoi super En même temps, pourquoi tu vas te remercier pour la sociabilité? parce que ça coûte d'être sociable surtout en cette période Si ça te coûte, eh ben ne le fais pas. oh Oh! violent. Révolution, en fait, on peut ne pas être sociable si on le souhaite. Quoi? On m'aurait menti toute ma vie. Eh ouais, c'est ouf, hein. Alors, donc ce que je disais. Alors, ces premiers mobs là qui ont été créés. En fait, les Necrotrackers, en fait, c'est un petit peu l'idée de. On est dans un monde fantastique, d'accord? Très bien. Je rappelle que j'étais tout jeune hein, quand j'ai créé ce merdier, donc on m'excusera un peu des facilités scénaristiques qu'il y a eu. Mais je me suis toujours demandé. Attends, à un moment donné, tu as toujours des espèces de mages, t'as des sorciers, t'as des enchanteurs, t'as tout ce bordel-là, t'as des nécromanciens, t'as des alchimistes. À quel moment il y en a un qui a pas essayé de combiner, en fait, plusieurs arts occultes comme ça, pour donner un truc qu'il faudrait pas, en fait. Et de là et sont nés les nécro-trackers, qui sont plus généralement un mélange d'alchimie, un peu de mage et de nécromancie. Donc du coup, bah ça donne des trucs un petit peu improbables, quoi. Petit peu. En gros, s'il fallait avoir vraiment une représentation. Est-ce que vous voyez là les morts-vivants dans World of Warcraft par exemple? Mmh.
Bah, tu vois, en fait, les morts vivants dans World of Warcraft, enfin, la race que tu peux jouer, ce serait un peu ça, en fait, les Necrotrackers. En gros, ce serait un peu des. Bah, on essaye de passer en mode mort-vivant pour essayer d'être bah, comme des liches, en gros, immortels, pour pouvoir continuer à faire nos merdes. Mais on est très science, quand même, aussi. Donc, en gros, ce serait ça, en fait, un Necrotracker. C'est un truc à mi-chemin. Donc, c'est pour ça que des fois, on va pouvoir voir aussi des homonculus, hein, donc, c'est-à-dire des. Ce qui serait littéralement des êtres créés à partir de la chimie, en fait. Oh, je connais ça, c'est Full Metal Alchemist. Ouais, bon. Les gars, toujours avec les mauvaises références, moi je te parle plus C'est de. sûr. Enfin bref, c'est pas grave. Mais oui, ça marche Elle est aussi. pas mal la référence de Oui, Full alors Metal. j'aime bien aussi Full Metal Alchemist, je suis d'accord, mais c'est pas là-dessus que je partais en fait à l'époque. Donc on va se calmer. Oui. C'est un MG. incroyable de pièces, hein. Ouais, bien sûr. Salut mes monolithes. New World incroyable. Comment ça, New World? Monolith. Moi je regarde James Bell, oui. New World, c'est le truc de Amazon là, le jeu Ouais, Vidal Amazon. le MMORPG là. Et oui, c'est vrai que c'est aujourd'hui en plus de ça qu'il sort. Donc du coup, il y a tout le Pas monde une qui sont en train de bêta? s'énerver. Ouais. Je croyais que c'était une bêta hein, qui sort aujourd'hui. Ah non, mais je crois que c'est les streamers, tu sais, les gros streamers qui ont des clés. Ah bah oui, du coup. Ouais. Donc du coup, Ah, nous, ça. c'est Voilà. pas nous quoi, c'est pas nous, voilà. Ouais, non, on va dire Ils nous ont pas conviés. Enfin, je veux dire, c'est honteux. le Twitch game va être vachement là-dessus, quoi. Et donc, oui, bonjour Mono. Bonjour, bonjour. Mais, donc ce que je disais. Oui, donc voilà. Donc en gros, ce serait ça l'idée en fait des Necrotrackers. Donc, dans ce jeu-là, comment on va l'interpréter et tout ça? Donc, comme on a fait par exemple avec les cultistes là de. Qu'on avait vu tout à l'heure, qui sont en plein dans leur délire, on a fait des trucs à thème. Donc, c'est-à-dire qu'on leur a créé des événements qui leur sont propres, on leur a créé des mobs, on leur a créé des mini-boss aussi. Et. Il y aura aussi un boss qui est lié en fait à tous ces cultistes pour le donjon. Mais on peut aussi partir sur les Necrotrackers pour donner une autre truc. Bon, ça fait très dark, dark, dark. Oh là là, ils sont méchants, 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 méchants. Alors que les Necrotrackers, pardon, parce que les tracteurs, ça ne marche pas du tout. Sinon, ça donne un truc un peu chelou. On va les faire partir un peu plus dans le domaine loristiquement parlant. Ils sont un peu plus en fait à la recherche de la connaissance, d'accord? Donc malheureusement, ils font un truc qui est un peu illégal. Parce que bon, dans cet univers-là, la nécromancie, c'est pas vraiment quelque chose qu'on adore, quoi. Puis en fait, enfin, voilà, ils essaient quand même de s'émanciper des lois naturelles. Donc, ils sont pas aussi caricatural en fait que les cultistes. Sachant que les cultistes en eux-mêmes, eux aussi, ils ont un but, ils ont un truc, pourquoi ils font ça. C'est parce qu'eux ils sont persuadés que c'est l'autre côté de la balance hein, qui va gagner quoi qu'il arrive, donc autant se mettre dans les bons petits papiers. C'est un peu ça l'idée. Et les Necrotrackers, eux, c'est clairement la science, le fait de vaincre la mort littéralement. Donc du coup, ils utilisent tous les moyens qui ont été découverts et essayent de trouver les autres moyens qui n'ont pas encore été découverts. Donc, on va partir sur ça. Donc du coup, ça va nous donner d'autres monstres, d'accord? Les événements, on a vu qu'on en avait assez. On peut en rajouter encore, de toute façon, c'est pas un problème. Du moment que ça fournit un peu plus de catalogue de la poule de monstres. D'accord? Sachant qu'on va devoir choisir à un moment donné qu'est-ce qu'on enlève, qu'est-ce qu'on n'enlève pas. Parce que on est déjà arrivé, en fait, on va dire, au nombre qu'on voudrait avoir de cartes, par exemple, dans le deck d'aventure. Enfin. De quêtes, pardon, merde, d'événements, voilà, d'événements et de héros. On a assez de héros, même si jamais ça donne pas l'air quand on s'était fixé certaines classes, mais voilà, il y en a assez pour les tests et tout ça, pour les premières versions de ce jeu. Mais c'est les monstres en fait qui sont pas assez diversifiés, et ça, c'est un problème. Les items, pareil, hein, on en a assez au final, on a clairement assez. On peut en rajouter plus pour le LOL, genre voilà, pour des trucs bien spécifiques. Mais il faudra aussi qu'on s'attaque après à l'économie du jeu. Et dans le sens où combien vaut une. Enfin, avec une pièce d'or, qu'est-ce que tu peux faire, quoi? Et il faut que ça tourne, il faut que ça ait un sens, il faut qu'aussi que bah, ça prenne quand même une grosse partie du gameplay, parce que sinon à quoi ça sert de rajouter cet élément-là de gameplay? Donc il faut le rendre intéressant, il faut le rendre aussi surtout essentiel à pas mal d'actions. Comme l'achat d'équipements et tout ça, les deux héros. Donc voilà. Voilà. Donc, les Necrotrackers, ça par exemple, on pourra s'en occuper après. Mais ça fait partie aussi des monstres qu'on peut mettre. On va essayer d'en mettre d'autres.
histoire de diversifier un peu le bestiaire, comme on l'a dit. Et du coup, c'est ça que je vais faire, moi, aujourd'hui. Ce soir, plutôt. Maintenant qu'il est déjà 18h. Mais ça marche aussi. Ça marche aussi. Mais c'est vrai qu'avec l'été, à chaque fois que je regarde par la fenêtre, il fait toujours jour. Donc, ça déstabilise un peu. Voilà. Et toi, Gotgot, que vas-tu faire? Tu vas aider Hulour? Oui. Il regarde le carnage que je fais à leur gestion de string. Qu'est-ce qu'il fait? Niqué. En fait, j'ai absolument pas compris comment tu peux manipuler une string dans la lib. Tu veux faire quoi comme manipulation? Append un truc devant. Enfin, prepend du coup. Il faut utiliser un string stream, monsieur. Ah bah du coup, c'est bon, j'ai compris en fait. Ouais, c'est string, c'est censé être. Ça marche shot. Ah bah voilà. Ah, ça marche shot, mais là, le framerate il est un peu trop. Enfin. C'est un peu trop violent le refresh des inputs. Ah, parce que du coup, tu vois, genre ici c'est la fonction d'update des inputs du menu contrôleur. Ouais. Du coup, là, je regarde juste si la valeur a changé, mais ça, c'est trop bourrin, parce que du coup, la fréquence où on va, a priori, on change trop vite. Je regarde si j'ai un widget qui a été sélectionné. Dans ce widget, j'essaie de trouver le composant de texte. Avec une super fonction incroyable qui va parcourir tous les components et les vérifier si c'est le bon type qu'on trouve. Du coup, elle te renvoie que le premier texte qu'elle trouve. C'est un peu fait à l'arrache, je sais pas. Et du coup, ici, donc en fait, c'est dans le cas où on a changé et on avait déjà un widget de sélectionner, donc on lui remet le texte qu'il avait avant. Okay. Donc en utilisant le descripteur directement. On n'est pas des sauvages. Là, c'est la fonction dégueulasse qui te permet de swapper entre le start et le exit en selected. C'est moche, mais ça marche. Okay. Et après, on sait ici que c'est plus intéressant. On récupère le nouveau text widget component là. Ouais. On utilise un string stream avec un allocator. Ouais. On lui met le prepend et après on lui met le texte. Oui, tout à fait. Et on reconstruit une string à partir du const oui. String. Alors après, vu que toi tes strings sont constantes, parce que là du coup tu veux le faire à chaque frame, c'est un peu à rien, enfin ça fonctionne, mais ce que tu peux faire c'est stocker dans un tableau la string qui est construite du descripteur et puis la string avec le truc devant, comme ça t'évites à swap entre les deux. Ouais, que je me disais du coup, parce que c'est compliqué. C'est compliqué à manipuler les strings. Mais non. Mais du coup, je vois pas la différence entre une string si elle doit être constante et une string view. Parce qu'une string view, t'es pas responsable de sa mémoire. Alors que la string, quand tu la détruis, il n'y a plus la mémoire. Donc tu peux avoir une string quelque part qui stocke le texte avec la mémoire et puis plein de string view qui disent hey, « Eh moi, je sais ce qu'il y a dedans. » Et dès que tu veux manipuler une string, c'est la croix et la bannière. Et string view, du coup, tu peux faire des parties aussi. Ça peut rentrer une partie d'une string. Et c'est pas forcément terminé par un slash 0. Donc ça peut être des sous-parties d'une string. Mmh. Voilà. Ok. Très bien, bon bah du coup ça marche, mais c'est un peu bourrin. Faut que je vois comment je peux réduire le framerate des inputs. Yeah. Si tu as des questions, Mono, n'hésite pas, hein, vraiment. Oui. Regarde le stream aussi. It will be my pleasure. Là, le problème, c'est que dès que tu appuies sur une touche, en fait, que ce soit au bas, tu peux changer les trucs, c'est ça? T'inverses? Ouais. Sauf que du coup, bah, tu sais, vu que ça se fait dans la boucle principale, ça. Faudrait que tu mettes un délai en fait. Un rate de ouf quoi. Ouais. Dans ton contrôleur, faudrait que t'aies un délai. Il dit, tu changes pas. Y a une gestion du temps dans NLC? Oui, NLC time. Ah oui, je l'ai là. Ok, quoi d'autre? Et du meta typing.
Yes, il y a le cerveau. Oui. Nice. Donc ici, on a... Il faut quand même que tu récupères le temps avec les fonctions standard. Non, ah non, il y a le DAO. Ah ouais, j'avais pas vu le DAO. Ouais, t'as un DAO. Okay. Alors en fait, l'idée c'est que c'est un int qui stocke une certaine durée. Après, t'as les fonctions pour le convertir en seconde, milliseconde du type que tu veux. Yes. Très bien, on va regarder ça. Alors, déjà, dans fondamental, ouais, tac, fundamentals, time.hpp. En vrai, ça c'était construit référencement. Oh merde. J'ai une question. Dans le descripteur, ton texte, tu le stockes comment? C'est un string ou c'est un string view? C'est une string. On ne peut pas regarder une string view. Tout à fait. Du coup, je pense que tu as une méthode pour la copier sans passer par from c string. Bon, ça change pas grand chose, mais. Ah bon? Non. Ah oui, genre faire la string point copy ou un truc comme ça. Ouais, je pense. Je l'ai vu passer il y a pas longtemps. Ça te fera un peu moins verbeux, quoi. C'est copié avec une majuscule. Non, ça serait pas trop majuscule. Je vais regarder. Ah, tu bosses sur After Effects. Nice. Ouais, c'est point copy en majuscule et tu lui passes un allocateur. Bah, alors, ça je comprends pas. Du coup, la string elle a son allocator. Ouais, en fait. Elle le garde, mais tu dois quand même, genre, toujours lui renvoyer l'allocator. Pas obligé, du coup, tu peux faire copie sans et ça va la louer avec l'allocator de la string qui est à l'intérieur. Ah. Justement. Ah, on peut faire ça. Ouais, copie comme ça fonctionne. Mais c'est si jamais. Du coup, je regardais pour les autres trucs et. Vu qu'une une string c'est censé être const, du coup, toutes les autres méthodes elles ont besoin d'un allocator et c'est. C'est stressant. Il n'y a pas beaucoup d'allocateurs d'autres méthodes dans string. Non, mais je pense que je confonds avec le from c string. Mm. Que je cherchais une méthode qui faisait ça dans string, tu vois, mais il y en a pas. Ouais. J'essaie d'extraire un élément de vidéo en frame par frame via du masque. Ah, d'accord. Et non, c'est un écran tracker. Le Calcium Boy, si tu veux, je te le montre après. Quoique. Est-ce que je peux ouvrir ça dans une autre fenêtre? Attends, un truc ouf. Mais c'est un Calcium Boy dégueulasse, hein. On a fait ça en 2-2, c'était avant qu'on l'utilise. Mais... Voilà. Où est monsieur Calcium Boy? Alors. Donc, on a dit qu'on voulait la gestion du temps ici. Oui, il faut donc que je t'assiste. Putain, bordel de merde. Où est-ce que j'ai mis le Calcium Boy? Oh, Calcium Boy. Comment t'as mis tous les consts à gauche? Ah ouais, merde. Je t'ai vu. J'ai oublié, désolé. Après, tu fais comme tu veux. Hein, Et comme t'as dit que tu voulais suivre la convention du truc, je te le rappelle, t'es pas obligé. Si ça te fait chier. Le fameux Calcium Boy. J'avais oublié. Voilà. Bah déjà, je sais même pas si ça a marché, tu vois. Donc...
Ouais, d'ailleurs, je voulais voir s'il y avait moyen d'avoir un autre truc, un pointeur RAW comme ça pour avoir une référence sur l'un ou l'autre, tu vois. J'ai pas vraiment trouvé de solution satisfaisante. Je peux pas trop. Bah après t'as Tu vois ce le. que je veux dire? Ouais. T'as Attends, je suis un mort. LC pointer qui est un pointeur sur un truc qui est garanti pas nul. Ah ouais? Mais ouais, on s'en sert pas souvent, mais peut-être là ça peut être l'occasion. Bah, je vais regarder ça. Parce que je cherchais avec ça, mais au final, genre j'avais regardé les optionnels, mais les optionnels en fait, il est responsable de la création du pointeur. Du coup, c'est un peu chiant. Ouais. Du coup, ça convient pas du tout au problème, quoi. La pointer, c'est vraiment juste, ouais, tu stockes un pointeur dedans. Il C'est garantit que pour de la quand tu. return value, quoi, en fait. Ouais, c'est Enfin, ça. Ouais. Et plus juste ou moins. garantit que le truc dessous est pas nul. Après, ça te garantit pas qu'il existe, enfin, s'il est détruit, t'es pas propriétaire de la mémoire, quoi. Donc. Bon, on testera le pointeur après. J'essaie de faire en sorte qu'il pète plus un câble, le machin. En fait, je voulais vous dire que les Reforges là, ils ont mis des tonnes de trucs en plus. Il y a eu des mises à jour. Ah ouais, non, mais là c'est monstrueux. Vas pouvoir faire plein d'autres personnages. LOL. Oui. Non, On à un va moment passer donné, il sur va falloir se calmer. les Tu anciens. pourras revenir sur les anciens personnages pour les tuner, ouais, Ils sur sont tout ça. vieux. Ah d'accord, ok, non, mais dites-le s'ils puent tous la merde en vrai. Non, mais je sais pas, à un moment t'avais dit ah oh, c'est dommage, il n'y a pas ça, machin, Ah tout ça. oui, T'avais d'accord. l'air tellement déçu, et du coup, Ouais, voilà quoi. tu sais bien tourner les phrases, toi. Hein. Je t'ai vu venir. Créer des time underscore à la volette comme ça sous un orange, genre t'as juste avec des chiffres. Ouais, en fait, t'as des suffixes qui te permettent de lui envoyer juste un int et puis il te le crée avec. Genre Le suffixe, du coup. underscore s, ça te crée un. Tu lui donnes quoi au Ah morceau? oui, Il il te y a crée un. underscore R, MS, US et NS, c'est ça? C'est ça. Du coup, c'est S seconde, MS et milliseconde. Ouais, après micro, nano. Nanoseconde, carrément, putain. Et sinon, ouais, t'as imité, tu peux mettre ce que tu veux dedans, mais si tu mets 3, tu sais, t'as aucune idée de ce que ça Qu'est-ce que peut ça veut prendre. dire, quoi? Ouais, Ouais, c'est et c'est concrètement. opaque. Time, du coup, il nous faut la fréquence des inputs. Genre, ce serait. 16 ms du coup. Ouais, si tu veux faire une fois par. Ouais, mais ça, c'est. Ouais. Une par frame quoi. Ça, en À gros, ça va 60 frames être. par Ouais. seconde quoi. Mais si tu fais deux, ça va pas changer grand-chose par rapport à ce qui se passe maintenant. Parce que l'update, Bah. elle est capée à 60 FPS, il me semble d'ailleurs. Sérieux? T'es Enfin, à sûr? vérifier. Ça dépend peut-être de ton. Alors, en tout cas, en fait, dans la boucle, y a rien qui le capte, je crois. Hein. Ton. DT là, il. Est-ce que tu l'input? Que tu calcules le DT? Ouais, je calcule le DT, j'en fais un, je crois. Ouais, tu l'envoies en render. Il l'envoie en render. Peut-être pas tout le pour voir, mais il me semble que. Comment? Peut-être faire un print de ce truc-là pour voir, mais il me semble que c'est 60 FPS. Hein. Peux directement print le DT, c'est légal. Complètement. C'est légal. Oui, non, il est en seconde déjà, donc c'est bon. Mais si ça avait été un time T, c'est un peu compliqué. Que ça a compilé là, je crois que j'ai niqué la moitié du truc. Ah oui, voilà, c'est pour ça que je pouvais pas les mettre en const. Vu qu'ici prend leur adresse à eux, s'ils sont const, ça veut dire que mon pointeur il sera sur un objet const. Ce n'est pas possible. J'ai besoin de le changer. Bah non. Et là, il me dit quoi? No variable. Je peux pas convertir en const timet. T'as pas mis le NLC time devant dans Mais processing. oui. Mais oui.
Oui, le timeté du système. Du coup, en effet, il n'y a pas de conversion possible. Non, normalement, c'est... Il n'est pas d'accord. Il est quand même pas d'accord. Ah non, il dit juste que c'est news. Non, de toute façon, il n'y a pas besoin de commenter. Je suis pour rien, en même temps. Bah bravo, Niels. Franchement, les changements, ils me semblaient quand même vachement rapides pour du... input par ah oui totalement. Tu vois c'est pas capé à 60 fps ouais, mais chez moi ça allait chez moi ça allait donc ça doit dépendre du de l'hardware ouais. Peut-être ouais parce que pour l'instant on a rien nous enfin on a pas mis bah ouais dans la boucle il y a rien qui empêche d'aller au-dessus de 60 fps c'est ça ouais non parce que franchement 60 fps les inputs elles auraient pas été aussi violentes hein. Ça va être rapide, ça va quand même quoi. Enfin... du coup, si le norm, donc le NLC time norm moins last input time est supérieur à input frequency, attends, il est supérieur ou inférieur? Supérieur. Non. C'est-à-dire que t'as passé plus de temps que de 16 bits. Attends, non. Ouais, mais justement, s'il a passé plus de temps, on veut bien recevoir l'input, c'est si on a passé moins de temps. Ah oui, ok, là tu fais un test pour arrêter la fonction. Je crois que c'était. Ouais, c'est un early return en fait. Okay. Attends, je me suis foutu un doute monstrueux, ça doute. Du coup, bah, je peux l'assigner directement en fait. En fait, non, on va le faire que s'il y a eu un changement d'input. Oui, comme ça. Ça évitera trop de... Il n'y aura pas de délai entre le moment où on appuie et... Il n'y aura pas une frame de décalage, quoi. Même si on n'est pas sur le genre de jeu où la frame, elle est fatale, quoi. Est-ce que ça marche ou est-ce que ça va cracher? Ah bah, il est corps bien véloce. Hein. Ouais. En vrai, je pense que pour de l'input, tu peux être 100 millisecondes ou un truc comme ça. Ouais. Je vais virer Sprint aussi, parce que... Oui, du coup, il va être un peu de pouf. Il est un peu dégueulasse. Par contre, il faudrait vraiment que je trouve un moyen de stocker ce genre de variable, je pense. Parce que là... 100 ms, c'est bien. Pas bien. En vrai, on aura besoin de plusieurs endroits différents. Il y a un truc qui régule le update. C'est mieux. Voilà, c'est déjà plus élégant. Et encore, des fois, j'ai l'impression qu'il jump. Hein. Ouais. Tu peux aussi faire que quand t'es en haut, enfin quand t'es sur start, non, mais sur le haut ça fait rien. Ouais, mais après je me suis dit est-ce que c'est intéressant, tu vois. Parce qu'au moins tu peux boucler facilement. Ouais. Mais disons que là sur un menu où t'as deux trucs, ça me paraît très normal, mais je me dis après si tu rajoutes des choses, c'est plus pratique, c'est mieux de boucler, plus agréable pour naviguer. Yep. Bah voilà, on a un menu qui marche, c'est ouf. Allez! Maintenant, il faut juste que je fasse en sorte que quand on dit exit, et bah ça exit. Et quand on fait start, ça lance le jeu. Ah, exactement, parce que le jeu est prêt, c'est bien connu. On faisait juste le menu, tout le reste est prêt. En vrai, ça va vite être le merdier, hein, parce que. En fait, quitter, du coup, ça veut dire qu'il faut que ici je renvoie l'application status. Ouais, faut que tu vois comment t'arrives à remonter les infos. Les inputs, est-ce que tu les mets dans des. Dans le contrôleur peut-être? Tu stockes dans le contrôleur qu'il faut quitter et puis. Attends, c'est un merdier là en fait, c'est quoi ça? C'est la boucle principale, c'est ça?
C'est la fonction main, mais qui n'est pas le main. C'est ça. Ici, on a le route. Ça, ça fait sens. D'ailleurs, la fonction que j'avais fait ici pour trouver un component, faudrait que je la mette accessible ailleurs en fait. Faut l'utiliser genre ici là. Non, c'était là. Au lieu de faire un get 0 comme un ouf. Même ça me saoule. Ah, y a un... Salut Fridzioff. Salut. On code un jeu de cartes principalement. Que tu as des questions plus spécifiques. Sinon, il y a Norse qui va te faire le topo global du projet parce que c'est son taf. Yes. Il connaît par cœur maintenant. J'en oublie des fois. Hop. Bon. Dans la Monster Pool, on va lui mettre des PV de bâtard. Hop. Par contre, on va pas lui mettre une attaque de fou, sinon il va tout wipe. Ça va être chiant. Ouais, c'est du Javim qu'on utilise. Enfin, c'est, je dis des conneries, c'est pas du Javim, c'est du Neovim. J'ai du mal à le setup sur l'environnement Windows, hein. C'est un peu de la merde. Le get avec le truc de d'avoir l'application status dans le contrôleur, ce qui m'emmerde c'est que en fait le contrôleur il va changer. Ah oui. Avec, que ça c'est le contrôleur du menu principal, mais après on aura le contrôleur de jeu, le contrôleur d'options, des trucs comme ça. Donc à moins que tous les contrôleurs aient un application status. En fait, il faudrait qu'ils aient un navigation status. Oui, c'est pas forcément un status, mais un truc qui dit si tu dois changer le menu et vers quel menu tu dois aller, par exemple. Ouais. Et l'état. Et du coup, le truc qui est chiant, c'est que l'exit, c'est le cas particulier, parce que tu vas pas vers un menu. Oui. Tu vas voir un menu qui s'appelle exit, ils ont pas un menu, mais c'est fait. Tu feras exit 0 dans le code là. Un truc sale. Le bouton rouge, t'appuies dessus, ça explose tout le programme. Ça va quoi les deux écrans qu'on voit en haut à droite? Bah, c'est ce que Norse fait actuellement en fait. Il a l'air de faire un héros ou un monstre. Non, en fait, en gros, ce qui se passe, c'est que sur les deux autres écrans, à n'importe quel moment, les gens peuvent demander de switch en fait sur les parties. Moi, en fait, je m'occupe de tout ce qui est en fait fabrication des monstres, leurs stats, leurs capacités, leurs machins, les événements que tu peux piocher. Enfin bref, tout ce que va devoir faire Ulor après par la suite. Et en gros, on utilise le site de HeroForge qui normalement est fait pour le tabletop. Pour faire des petites figurines, soit imprimer chez toi, soit te faire livrer, pour en fait faire des concepts de héros ou de monstres, pour après on essaye de voir en fait ce qui colle avec et tout, ce qu'on veut rajouter, que ce soit un monstre ou quoi. Donc du coup en direct tu vois ce que les autres font en même temps. Et là je crois que le petit document qu'on voit, il me semble, je sais plus c'est quoi.
ton écran. Non, mais je crois que c'est les événements que t'as là. Attends. Moi, je vois rien. Genre, c'est trop petit pour que je vois quoi que ce soit. Ouais, c'est bien les events. Donc, en gros, t'as la liste des events sur le Teco. Et on peut switch à n'importe quel moment. Voilà, c'est à ça que servent les deux écrans. Donc, en gros, à chaque moment, tu vois ce que l'autre fait ou quoi. Là, pour le moment, il y a un focus sur le code du lore, mais ça peut très bien faire le... Il y a un truc qui t'intéresse, tu peux crier. Voilà. Ça change. Et on change instant, on fait... Ah ouais, d'accord. D'ailleurs, on peut pas rajouter une commande dans Nightbot pour lui dire « Ah, je vais switcher ». Alors, je pense pas que Nightbot est capable de faire ça, en fait. Il peut pas te notifier de juste un truc comme ça tu Non, vois, mais... Quelqu'un va aller lancer cette commande-là. À la rigueur, ouais, on pourrait, mais de toute façon, on vient juste de l'installer, donc du coup, faudra qu'on voit... Très plus simple. Comment qu'on calibre. Non, parce que, en fait, pour tout expliquer, le projet, c'est vraiment pour montrer comment on fait un jeu vidéo en partant de zéro, en essayant de faire un truc simple. Donc, du coup, on a fait un truc assez... assez lambda, parce que c'était le but. Le but, c'est pas d'inventer l'eau chaude, quoi. Alors que c'est très bien, l'eau chaude. Oui. Oui. C'est vachement pratique dans la vie de tous les jours. D'accord. Surtout quand on doit se faire des pâtes. Ouais, super. Bon, vous en avez d'autres, là, les gars, là. C'est bon, on peut s'arrêter. Pour se laver quand il fait froid. Hein? Pour se laver quand il fait froid. Voilà, putain. Je vais te taper. Tac, 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 tac. On part sur une base à la con. Alors. Parfait en casse-couille. Non, pourquoi j'utilise Vim et pas un IDE en, par simple préférence. Parce que je préfère utiliser Vim en fait. Personnellement, j'y trouve plus facilement mon compte en fait avec les différents plugins qu'il y a d'accessibles dans Vim. Puis les IDE en vrai, je trouve que c'est un peu une usine à gaz qui est beaucoup trop lourde pour ce que c'est. Enfin, pour ce que. Dont j'en ai besoin quoi. Parce que concrètement, là, par l'éditeur de texte et les quelques plugins qu'on a dessus qui servent principalement à l'autocomplétion de code ou à la lecture du code, c'est pas très nécessaire. Comment ? Je sais pas si c'est comment, mais j'ai perdu des bouts de ce que t'as dit. Ah, on m'a perdu ? Ouais, les features que tu utilisais. Ouais, du coup, je sais pas où j'en étais, mais ouais, personnellement, moi, je préfère utiliser Vim parce que c'est beaucoup plus simple, plus léger, et en vrai, on a déjà énormément de plugins qui sont accessibles dessus, qui peuvent, en fait, rendre le truc exactement comme tu en as besoin, en fait, plutôt que de venir avec 50 packages directement installés, dont la moitié dont tu te serviras jamais, ce qui est assez récurrent avec les IDE. Et puis après, c'est une préférence perso en soi. C'est... Gadgad, toi t'as peut-être un avis sur les IDE. Toi qui n'aimes pas Vim. C'est pas que j'aime pas Vim, c'est que j'ai jamais pris le temps de prendre en sérieux. Exactement. Sur les IDE, moi aussi je suis assez. Avant j'utilisais des gros trucs, genre CodeBlocks, Visual Studio. Comme ça, et en fait c'est lent en général. Ce qui m'a arrêté, c'est que dès que tu commences à installer quelques extensions pour customiser un peu, très vite ça devient lent en fait, et du coup c'est chiant. Du coup moi je suis passé sur Visual Studio Code, qui est une version beaucoup plus light de Visual Studio, et j'en suis assez content. Gratuit aussi. C'est gratuit, c'est rapide, il y a beaucoup d'extensions, donc on peut aller voir un peu tout ce qu'on veut. Tu peux vraiment customiser comme tu as besoin toi, et très configurable, donc je trouve ça cool. Il y a un truc, un bon point pour Vim aussi, c'est qu'il est aussi bien sur Windows que sur Linux. Après, Visual Studio Code l'est maintenant, je crois aussi. Je crois qu'il est sur Linux. Mais c'était pas le cas de Visual Studio et de Community avant, je crois. Que GetGet va m'arrêter, ce que je dis des conneries. J'ai pas écouté. T'as pas écouté, bravo. Là, je disais, Vim, l'avantage qu'il a, c'est qu'il est sur Linux et sur Windows. Mais je crois que Visual Studio Code l'est aussi. Maintenant. Oui, tout à fait, oui, sur Linux. Mais c'était pas le cas de Visual Studio et de Community, il me semble. Je crois pas. Visual Studio, par contre, ils font des trucs chelous. Comme Windows essaye de intégrer Linux dans Windows maintenant. Avec leur petit terminal intégré là. C'est ça, avec le WSL.
Et du coup, t'as, dans les dernières versions de Windows, de Visual Studio, tu peux directement compiler sur du, pour du Linux. Target du Linux dans ta compilation. Ils ont une petite VM Linux qui tourne derrière. Je sais pas trop comment c'est fait, mais... C'est ça, c'est indécent quand même. Parce que... Retourner une VM dans ton IDE... Mais ça fonctionne. Et peut-être un moment où il faut s'arrêter, quoi. Jamais. On peut le faire, on le fait. Ouais, bah du coup, moi, je suis toujours coincé avec mon navigation de status, en fait. En fait, je suis en train de me poser la question, mais en fait, même pour changer de... Même pour changer de frame, je fais comment? Que je veux dire? Bonne question. En fait, ce qui serait super cool, mais compliqué, qu'on pourrait... ouais, je ne sais pas trop comment on pourrait faire ça, mais il faudrait qu'on puisse... Il faudrait que tu aies un objet qui gère ça, en fait. Et au début, tu lui dis, tu commences sur ce menu-là, que tu as chopé toi. Ou alors, il le récupère tout seul, tu vois, et puis lui, il sait quel... Quelle action va où, quoi. Quel... Ouais, c'est ça. Peut-être qu'on peut s'en sortir. Peut-être ce serait cool que les widgets boutons là, qui n'existent pas vraiment, ils aient une action associée quoi. Genre go to et un menu particulier et... Oui, ça peut être ça aussi, ouais. Et du coup, cet objet-là récupérait l'information de bah, tel bouton a été cliqué. Et du coup, ouais. Bah voilà, il y a telle action qui a été demandée. Ouais, je vois bien un truc du genre qui va du coup quelque part dire le prochain menu ce sera celui-là, tu vois, dans un truc d'énum. Et qui peut être bah, quitté, et puis dans ce cas-là... Qui peut être quoi? Qui peut être le menu prochain, c'est sortir du jeu. Ah oui. Et après t'as un truc qui va... Bah toutes les frames dans son update, il va passer sur les inputs et ensuite regarder s'il faut changer. Du coup, ce sera un nouvel objet, au final. Je pense que ça sera plus simple, ouais. Et du coup, ce serait limite lui qui aurait le contrôleur, en fait. Ouais, je pense que c'est lui qui récupérerait le contrôleur au début. Le contrôleur est actif et il les swap en fonction de ça. Faudrait du coup qu'il ait aussi accès à la route pour pouvoir lui dire bah, retire l'instance du menu actuel et ajoute celle-là. Ah, ça se tient, hein. Ça tient presque debout. Et d'ailleurs, 8. 8 quoi ? 8. J'avais un truc menu ou pas ? Non, j'ai contrôleur. Bon, on va mettre dans le contrôleur. Hein. On l'appelle le menu flow contrôleur. Hein. Il va rapper de ouf. Pardon, excusez-moi. Mais oui, tout à fait. Bah oui. Sur la ligne là. Donc. Sans live, c'est illégal. Déjà, t'as covidé 5 personnes. Qui? Toi? J'ai fait... Tout en live, tous les spectateurs sont covidés. Non, moi j'ai mes deux vaccins, hein, c'est bon. Ça fait deux semaines que tu es un. Moi ouais. Je crois pas. Hein. Ah bah, quoique non, ouais, c'est ce week-end que j'aurai. Ça ne fait qu'une semaine, hein, je le sais, t'inquiète. Ouais, je te monitor régulièrement. Pas compliqué, tu l'as eu même pas un jour avant moi, ta deuxième dose. Exactement. Ah là là, faquin. Nous sachons tous. D'ailleurs, c'est demain où le bordel il commence. De quoi ? Commence demain, puis ça finit en août. Ah, le pass sanitaire. Ouais, si
peut-être éviter de relancer un débat publicum ici. Le quoi ? On peut plus rien dire, quoi. Sanitaire. Ouais, non, t'as vu, c'est la police de... Ah non, mais bon, après, sinon après, les gens ils vont commencer à... police du débat, quoi. Mais non, mais c'est pas ça, mais sinon après, tout le monde va commencer à dire son avis dessus et tout, ça va être chiant et tout, on va s'éloigner du sujet. Ah non, c'est pas chiant, les gens ont le droit d'avoir un avis. Ouais, autre part. On est pas pour ce live là-dessus, ici, quoi. Ça y est, on est... Non, mais on peut avoir un avis. Je change le thème du Twitch en mes politiques. Ah non, 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 tous mes passages, je veux pas qu'on devienne un Twitch politique. C'est juste que je dis que, bah voilà, si on peut éviter d'avoir des débats comme ça. Ouais, mais ne pas avoir de débats, c'est politique. Merci, ok. Merci, Dante. Merci. On se rappelle. Au final, tu fais de la politique en nous empêchant de faire de la politique. Ah, mais merde, à la fin. Arrête, tu vas le casser. Échec et mat. Non, c'est pas ça, mais c'est que je suis en train d'essayer d'imaginer ce que je pourrais lui coller à l'autre connard, là, en capacité, et vous êtes là en tu train de... Tu vas casser. Tout ça, il y a un pass sanitaire qui arrive, et putain, tu peux plus lui mettre de cure-dent. Ah, j'en ai marre. Appelez la police. Je me suis perdu là-dedans. Voilà, tu vois, je t'avais dit. Qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? On va mettre un main menu contrôleur? Non, ce sera un menu contrôleur. Ouais, mais encore une fois, du coup, si le contrôleur il est contenu là-dedans, il nous faut du... N'est-ce pas? L'héritage sur un contrôleur. Ou alors, faut qu'on fasse un variant de tous les contrôleurs possibles et imaginables. Ou un héritage. Après, on peut hériter tant qu'on n'a pas de virtuel. Ouais, mais il y aura le process d'input qui sera virtuel. Je pense que tu peux te permettre d'avoir des virtuels même dans... C'est une version d'une instance, tu vois, ça va pas t'éclater tes perfs. Classe où il y a une instance. Ah oui, parce qu'il y aura qu'un seul contrôleur actif à la fois, tu veux dire. Oui. C'est pas un truc où t'as des milliers d'objets qui vont appeler des méthodes virtuelles, tu vois, chaque update. C'est la vérité. Déjà qu'on a réussi à faire en sorte que les widgets ils soient pas virtuels. Oui. Enfin, une tricks de l'enfer, quoi. Du coup, les contrôleurs. Oui, c'est plus embêtant parce que tu peux potentiellement en avoir beaucoup sur ton écran. Ouais, c'est ça, tu vas en avoir beaucoup qui vont s'afficher, puis alors, chacun va faire un appel virtuel. Un variant, oh putain. Eh oui, on a des variants dans le code, c'est politique tout ça. Je vais finir par mourir. Bon, on l'appellera Delta du coup. Et puis dès qu'il y aura un nouveau variant, on changera le nom de la variable. Oh putain. C'est une nouvelle variable. I want to crever mes boules. C'est le début de la fin. Sauvez-moi. Je suis retenu ici contre ma volonté. Alors du coup, on a dit qu'ils auraient donc un héritage, donc il faut faire un base contrôleur, quoi. C'est le truc un peu chiant, dès que tu commences à faire un peu d'hierarchie, tu te retrouves à devoir ouvrir 15 000 fichiers en même temps. Ouais, par contre, ouais, ça c'est un peu le cancer. Ah, mais j'ai fait de la merde avec mon nom de fichier. Là, j'ai fait de la merde avec mon fichier. Il y en a la moitié, ils sont en snakecase et les autres, ils sont en Pascal. Je regarde celui-là où il y a les snakes. Et ceux-là, ils sont tous en. Dim, Mac Anderson. Trop stylé. Qu'est-ce qu'il dit? De quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il y a un symbole qui s'appelle Andy Mac Anderson. Et en gros, c'est juste une main à qui tu sais, t'as foutu deux yeux et un petit chapeau pour faire genre c'est quelqu'un. Il est marrant. Ah, tu paries avec. Bref, retour au jeu. Hop.
Du coup, faut que je renomme mes fichiers, ça va être chiant. Que je vais rechercher dans tout le code aussi parce qu'ils ont été utilisés. Oui. La passion. Pour bien débuter le code, demande Monolith. Mais pour bien débuter le code, il faut débuter. Ne pas commencer le code. C'est une mauvaise idée. Vas-y, entre Un conseil pour bien débuter. Faire des trucs simples, je pense. T'essaies de faire un truc très compliqué dès le début. Ouais. Tu vas juste démotiver. Au début, je pense que tu peux se mettre un projet spécialement, mais genre regarder des cours sur internet. Ouais, c'est et ça. En général, il y a des petits exercices avec pour commencer. Tranquillement. Et ensuite, tu vois, tu sens que tu maîtrises un peu ce que tu fais, bah, tu peux te lancer dans un projet, mais oui, effectivement, faut commencer petit, quoi. Faut pas se mettre des objectifs trop hauts, sinon, ça peut être démoralisant. Par exemple, se dire en commençant, je vais faire un MMORPG en C++. C'est pas une bonne idée. Le classique, voilà. Faut pas faire ça. Mais faire des exos simples. Enfin, souvent, de toute façon, les courses qu'ils font, c'est des exos simples à base de bah vas-y, tu vas faire une calculatrice, tu vas faire une fonction de print, tu vas faire des trucs comme ça. Tu vas trouver tes lignes premiers. Ouais, voilà. Faire la suite de Fibonacci. En fait, c'est des trucs un peu cons où tu te dis bah ça te sert pas vraiment, mais en fait ça te montre énormément de choses. Et au final, tu sais pas comment, mais tu finis par trouver un usage à la suite de Fibonacci à un moment ou un autre. Tu sais pas pourquoi. Bah, ça t'apprend aussi pas mal manipuler tous les concepts, les fonctions, les variables, les opérations, tout ça. Après, tu peux avoir des petits trucs aussi qui t'apprennent à gérer la lecture des fichiers par exemple. Perso, je voulais coder le logiciel de stabilisation des moteurs du lanceur de Blue Origin, en fait. Bravo. Blue Origin, c'est le truc de Jeff Bezos, ça ? Il me semble, en effet. Bah franchement, t'aurais pu. Hein. Avec tes compétences, peut-être qu'on aurait été débarrassé d'un coup. Mais je veux que faire... En HTML, hein. Je sais que faire en HTML, j'imagine. Bon, après, ça s'apprend, hein, franchement. Ouais. C'est comme tout. Hein. Ça demande juste du temps et de la pratique. Comment on appelle ça, je sais pas. Tu fais du HTML, ce que tu peux faire. De manière pas trop loin, ce que tu fais, c'est du PHP, quoi, après, que tu mets dans ta page et ça va te faire des trucs un peu dynamiques. Avoir des inputs, des boutons, comme ça. Ouais, typiquement le PHP, je pense pas que ce soit encore le cas, mais c'était comme ça qu'on faisait des jeux en réseau sur les pages web.
sais pas si ça a vraiment été le cas un jour, mais je sais que j'avais fait ça à l'école. Excusez-moi, est-ce que quelqu'un se souvient, parce que j'ai un trou de mémoire immonde, comment on appelle la médecine pour les chevaux? C'est la médecine. Équestre? Équestre? Ouais, mais non, je cherche un autre mot là. Ouais, puis merde, mec. Un vétérinaire? Non. J'ai hésité, puis je me suis dit non, ça doit pas être ça qu'il cherche. Il pique, voilà, merde. Ah. Ah, parce que le cheval il pique avec ses dents. Mmh. Les dents ça pique beaucoup, oui, bien sûr. Ekin, c'était pas loin. Salut, c'est Ninja. Pardon, c'est comment on pourrait résumer le PHP? Pas ouf. Bah, le PHP, ça, c'est un langage de scripting comme un autre. Hein. Il a pas grand chose d'unique. Après, je crois qu'il est, il est plutôt sympa pour faire tout ce qui est gestion de network, me semble. Oui, Gadgad, tu m'arrêtes si je raconte des conneries, hein, parce que je suis pas du tout spécialiste PHP. Mais il me semble qu'on l'utilise principalement côté serveur, en fait, hein, pour justement un peu... bah, comme le disait le Gadgad, le PHP, souvent, ça génère en fait des pages HTML. Ouais. Et en fait, ouais, il n'est pas exécuté chez toi quand tu fais du PHP. Il est côté serveur. Un serveur, ouais, un petit serveur qui tourne. Et en fait, t'envoies ton PHP, le serveur fait le calcul et te renvoie du code HTML en fait. Parce que du coup, en fait, dans le navigateur, il me semble que tu requêtes une page PHP. En fait, du coup, quand tu requêtes la page PHP, lui, il va te faire l'exécution côté serveur du PHP. Et ça va te renvoyer une page HTML qui est interprétable par ton navigateur. C'est un peu spécial, mais ça permet en fait d'avoir des pages dynamiques en fait. Parce que sinon l'HTML normalement c'est statique. Une fois que c'est envoyé, ça bouge plus. Et c'est dynamique dans une certaine mesure vu que c'est dynamique que côté serveur. Après pour faire des trucs dynamiques chez toi, c'est le JavaScript qui fait ça. Ouais. Dans ce cas-là, des animations sur des boutons ou des petits des fondus d'écran sur des pages web, c'est du JavaScript. C'est là, du coup, on a un peu la trinité du web à base de HTML, JavaScript et PHP. Parce que le JavaScript, ouais, ça va plus être côté client, les petits trucs en plus qui peuvent te foutre ton browser en PLS, hein, parce que ça m'est déjà arrivé de niquer des browsers comme ça, parce que en fait, le JavaScript bouffait trop de ressources. Alors, typiquement, si tu fais une animation sans trop faire gaffe à ton framerate ou des trucs comme ça. Là, ça dépend beaucoup de l'intégration dans les navigateurs aussi. C'est pas mal. Ouais. Bah, maintenant, ça a dû s'améliorer, hein, parce que bon, je pense que depuis le temps. Surtout que maintenant, je crois qu'on fait quasiment plus du tout le JavaScript blanc. On fait du JS Node ou des trucs comme ça. Là, je sais pas c'est quoi leur truc. Mais... Sauf que maintenant, il y a plein de librairies qui sont faites justement pour faire du web. De manière plus simple en JavaScript. Ouais, après le web c'est un bordel parce qu'il y a des tonnes de frameworks dans tous les sens. Et puis on a qui se créent tous les deux jours. Enfin, c'est ça. C'est un délire le machin. C'est un milieu, il faut être. Faut tout attaquer. Ouais. Enfin, c'est pas facile. T'as un peu ça aussi, mais c'est beaucoup plus dynamique le web. Ouais, enfin tu vois, genre les standards du C++, il y en a pas eu pendant 10 ans, puis à un moment ils se sont dit tiens, on va en faire un tous les deux ans quoi. C'est pas comme le web où franchement t'as une nouvelle technologie qui pop tous les 6 mois quasiment. C'est ça. Puis surtout, je crois que tout ce qui est job dans le web, ils sont exigeants en termes de on veut que tu utilises la dernière technologie. Un peu. Enfin, c'est l'impression que j'en avais en tout cas. Alors que dans le C++, c'est plutôt l'inverse. Hein. Te demander ouais. D'utiliser des trucs vieux de 20 ans qui sont dépréciés comme pas possible. Et j'ai l'impression, alors peut-être c'est une impression de loin, hein, mais que dans le web en fait les recruteurs savent pas trop de quoi ils parlent et du coup ils mettent les derniers trucs à la mode. Et sans que ça ouais. Fasse de rouler avec le boulot qu'il y a derrière. Après c'est peut-être des préjugés. Mais j'avais vu, si je passais plusieurs fois des trucs où les gens ils demandaient, je sais pas, 4 ans d'expérience dans une technologie. Qui a moins de 2 ans d'expérience ou des trucs comme ça. Ouais. Ouais, c'est un peu con. Ça c'est courant, mais. Après, est-ce que c'est du coup les recruteurs qui sont comme ça ou... Ouais, non, mais je pense comme partout, ça doit dépendre de la boîte et tout ça.
Mais oui, après c'est vrai qu'on parle de ça, mais moi spécialement je suis pas du tout spécialiste du web, je sais pas vraiment comment ça marche. J'ai juste vu pendant mes études parce que bah voilà, c'est un truc que tu dois voir à un moment ou à un autre quand tu te spécialises dans la prog. C'est intéressant, mais j'ai jamais voulu en faire mon taf en tout cas. Enfin, bon, je suis pas des meilleurs conseils pour dire comment ça marche le web. Ah, c'est bon, j'avais pas créé le fichier. Comme je l'ai perdu. Parce qu'il y a le bus contrôleur aussi qu'il fallait faire. Merde. Qu'est-ce que vous recommandez? Bah, figure-toi que je sais même pas ce que c'est. Quoi ça? Brackets. Jamais entendu parler. Source code éditeur avec un focus sur le développement web. Déjà, t'as de la preview en live, ça c'est intéressant. Hein. Même si bon, en vrai, t'as juste à recharger ta page. Après, ça dépend du coup si tu travailles en local ou si tu travailles sur un serveur. C'est gratuit ou pas? Ah! D'accord, le 1er septembre 2020, Adobe va terminer le support de Brackets. On peut fork le projet sur GitHub. Et le partenariat entre Adobe et Microsoft t'encourage à utiliser Visual Studio Code. Dommage, c'est intéressant. Du coup voilà, tu sais tout. Après il y a sûrement des gens qui vont le fork sur ouais. GitHub, j'imagine. Ouais. Sur GitHub tu peux avoir tous les forks qu'il y a normalement. Ah si, il y en a 8000. Ah. Ça fait beaucoup de brackets. Trouver celui qui a encore supporté dans 3 ans, ça va être hardcore. Mais après, pourquoi pas, hein, parce qu'en vrai, ça a l'air intéressant. En tout cas, pour le web, si t'as de la live preview, ça peut être cool. Ouais, c'est ça. C'est un peu le truc essentiel dans le web. Mais... La liste des forks que je suis en train de regarder. T'as vu les 8000 forks? Il y a des forks de forks. Oui, t'as vu? Il y a 3 mecs qui ont forké un autre mec qui avait forké un brackets. Ça m'a fait rire quand j'ai vu ça. Du coup, je me suis demandé si le mec avait modifié quand même brackets avant que les mecs refork, mais j'ai pas été voir. J'ai un peu la flemme, genre. Pourquoi t'en devais?
là, cette histoire de temps au niveau des inputs là. Tu peux le remonter dans le bus contrôleur en fait. Yep, complètement. Ça va être bien ça. Bon alors toi déjà, on me dit. Enfin, Fork là, il disait qu'ils avaient 12 000 commits de retard sur de base. Ça va, ça se rattrape. Ça a l'air pas mal actif comme. Après c'était un truc Adobe. Adobe j'ai un peu l'impression que c'est leur spécialité de lancer des trucs et de les abandonner au bout d'un certain temps ou de les revendre, des trucs comme ça. Ou les racheter aussi je crois. Je crois qu'ils avaient racheté Substance. J'espère que je mettrai égal default aussi, si tu mets rien dedans. De quoi? Pour le destructeur, si tu mets rien dedans, tu peux mettre égal default. Yep. Je viens de découvrir que je pouvais pas laisser le constructeur vide en fait. Ah. Après je peux pas forcément gérer toutes les inputs enfin... Rien à voir, mais Norse, un univers de 30k. Warhammer 30k? The Age of Strife et tout ça? Putain, je savais pas qu'il y avait un Warhammer 30k. Ouais, alors, non, en fait, c'est pas. En fait, je veux, il existe, mais c'est juste pour donner un peu un truc passé un peu à Warhammer 40 000. Et c'est un peu. En gros, c'est quand tu veux du 40 000 sans les trucs trop over the top qu'il y a dans le 40k. Et oui, je m'intéresse vite fait. En vrai, je connais un peu. Pas plus que ça, par contre. Je dois avouer. Je suis pas. Je sais ce qui s'est passé un peu avant, mais c'est tout. C'est juste ça. D'ailleurs, c'est vrai que The Age of Strife, c'est cool. Alors, donc ça on l'a fait. Oui, c'est vrai qu'il fallait qu'on fasse d'autres petites merdes. Bon, du coup, ça c'est un base contrôleur qui a l'air de tenir en route. Ouais. Besoin de plus. Ouais, en fait. Ça fait top. J'ai quand même virtualisé le process input tout de suite parce que bah, on sait un peu d'avance que tout le monde va en avoir. GetGat est en fait sur la partie code avec Ulor. Bah, ouais, que ça se met. Je supervise Ulor. Voilà. Il fait le gay. Ah bah ça c'est fin ça. Ah bah bravo. C'était même pas une blague.
Ça, c'est par rapport à Parole de chat, avec le gros chat qui dit toujours ouais. Je fais le gay. Ouais. Ah, bravo. Je sais pas pourquoi ça va rester en tête ce truc. Elle est énorme d'ailleurs cette vidéo. Génial. Superviseur de la bruit 111. Mais il est mort très vite en fait. Superviseur de la bruit 111. Non, c'est quoi cette histoire? Dans Fallout, c'est Fallout 4 en fait. Tu sors de l'abri, en fait, tu viens de l'abri 111, il me semble. Celui que j'ai pas fait. Ouais, normalement dans le 111, en fait, t'es le seul survivant, entre guillemets. C'est dans le 3? C'est dans le 3 ou t'es... Non, c'est dans le... 100, ouais. Ouais, ça c'est 100, hein, dans le 3. C'est dans le 3, je crois que tout le monde meurt, de toute façon. Ouais, de toute façon, dans le 111, mec, t'es le seul survivant, hein. T'as été cryogénisé et c'est ton seul pote qui a réussi à fonctionner. Hein. Les autres, ils se sont fait défoncer axe. Comme par hasard. Ouais. Ah bah après, dans ce jeu, tu peux jamais avoir une vie tranquille dans un abri. Bah non, parce que dès que tu sors, après, tu rencontres ton ancien majordome électrique, là, hein, Mr. Andy, qui te dit, oh là là, moi, ça va faire je sais pas combien d'années, de siècles, là, que je suis en train de branler R. Ça se demandait comment il est toujours actif. Non, mais le temps, parce que... solaire. Non, même pas. Et en fait, le truc, moi, ce qui me fait marrer, c'est qu'il fait genre, ouais, j'ai mis un peu d'ordre et tout. T'arrives, tout est désolé, quoi. Tout est crassé et tout ça. Le mec, il est équipé pour te reconstruire une maison s'il le voulait. Mais voilà, tu reviens chez toi, enfin, parce que tu vois, c'est ton ancienne maison. Tout est en bordel. Ouais. Tout mais il y a tout un truc de housing dans qui le 4. Est pété du cul, mec. Le truc de base, il est pété du cul. Claqué au sol. C'était leur gros argument de vente, je crois. Ouais, bah oh, regardez, vous pouvez faire votre maison, vous avez un chien, c'est trop de la balle, mais c'est l'apocalypse. Ouais, mais c'est... Enfin, en fait, il y a des trucs qui font que c'était une bonne idée, mais que l'exécution était à revoir, en fait, par contre. Parce que, par exemple, tu vois, quand tu construis des trucs, quand tu vois, tu le veux un peu... Enfin bref, sans mode, ça sert à rien. Sans mode, tu te fais chier. Puis t'as l'autre Preston là, qui arrête pas de te casser les fesses avec « Oh là là, il faut aller aider un nouveau settlement. » Tu vas au nouveau settlement, là. À la colonie, pardon. Et en gros, c'est des mecs qui vivent là, qui te donnent une mission à la con, tu vas la faire, tu reviens, tu peux construire chez eux comme si c'était ta base. Et t'es là en mode genre « Mais pourquoi ?» Mais pourquoi pas avant tout. Et après ils font oui non mais comme ça on va faire une coalition entre les colonies et tout. Gars, avec toutes les colonies combinées, on est quoi? On est même pas 10 à tout péter. Puis après t'as des gens génériques qui pop au fort là des miliciens, si jamais tu choisis d'être milicien. T'es là, tu sais pas du tout d'où ils viennent les mecs. Ils sont déjà habillés, ils sont prêts. Ah mais c'est vrai que t'as tout un truc en plus en mode avec les super armures et tout ça, genre tu genre la confrérie, je sais plus, c'est la confrérie d'acier je crois. Ouais, la confrérie de l'acier, t'as le railroad, enfin bref les espèces de... Les mecs sont des dirigeables quoi. Ouais, mais ça c'est normal parce qu'en fait si tu veux dans l'univers de Fallout c'est expliqué hein. C'est ouf. Parce que ah ouais. Les gars en gros ce sont les descendants majoritairement hein, à la base. C'est les descendants en fait des militaires qui étaient déjà en faction, tu sais, quand il y a eu le bordel atomique là. Le grand boom boom. Le grand boom boom. Ou en gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en gros, ils ont réuni toute leur technologie militaire en gros pour pas se les faire niquer par les trains savates d'autres pays, tu vois, qui viendraient looter les cadavres des mecs. Et en gros, ils se sont séparés du pouvoir en place, et qui est le président des États-Unis et tout ça, parce qu'en gros, c'est en train de partir en quenouille. Et en gros, ils ont dit, bah, tu sais quoi, fuck that shit, on reste ensemble, nous les militaires, et on fait un truc. Sauf qu'en fait, ça s'est dégradé de plus en plus. Et en gros, ils avaient tenté de faire une explication à la confrérie de l'acier, là, dans le jeu pété au sol, qui est 76, parce qu'à un moment donné, en fait, tu retrouves l'un des premiers campements de la confrérie d'acier, où en gros, ils commencent à parler justement des paladins, des machins, qu'en gros, voilà, ils se prennent pour des chevaliers à moitié. Mais voilà, à la base c'est ça, en fait ce sont les descendants militaires qui ont continué le délire, et puis ils recrutent ceux qui veulent venir, enfin... Faut pas que tu sois une goule. Faut pas que tu sois un super mutant. Et donc ils se pétaient la goule. Oui, bah en fait c'est ça, en fait. En gros, en contrepartie, ils sont anti tout ce qui n'est pas humain. Genre par exemple, t'es un pauvre connard qui s'est fait irradier à cause de l'atome, parce que... Donc du coup voilà, t'as l'air d'un mort-vivant, mais ça va, t'as encore toute ta tête. Le gars il arrive, il dit bah non, casse-toi, je vais te cramer la figure.
Ça, c'est quand il ouvre la gueule, parce que normalement, il tire à vue, le gars. Et il y a ses supérieurs qui applaudissent derrière, parce que c'est ce qu'il faut faire. Ok. Ouais, c'est le seul point négatif, c'est qu'ils sont ultra... Ultra cons. Bah, ils sont anti-batou, machin. Et après, t'as... D'ailleurs, ils ont... Dans le 4... Je sais pas pourquoi d'ailleurs on en parle, putain. Mais dans le 4, en gros, ils ont rendu une faction qui était à la base faite pour que, intégrer les ghouls, ceux qui n'ont pas perdu la tête à devenir des espèces de zombies à la con. Et qu'ils ont juste l'apparence de zombies à la con, mais que ça va encore, tu vois, genre ça fonctionne encore un peu en haut. Qui s'intègrent, tu vois, dans les différentes colonies et tout pour qu'on les accepte parce que ce sont aussi des victimes et tout le bordel. Là, dans le 4, en gros, ils ont fait non, c'est bon, allez hop, hein, les ghouls, on s'en bat les couilles maintenant. Maintenant, nous, on veut travailler pour les synthétiques, c'est-à-dire, tu sais, les robots, quoi. Les robots. Mais les robots qui ont l'apparence humaine, tu vois, qui auraient... Enfin, bref. Sauf qu'en fait, tout est pété au sol. C'est, si tu veux, c'est que les gars, ils sont, mais... ils sont fanatiques de ouf là-dessus. En gros, il n'y a plus le délire avec les ghouls, alors qu'il y a encore plein de villes qui les, bah, qui les autorisent pas à rentrer. Notamment Diamond City, qui est en fait un peu la ville principale où, genre, t'as vraiment tout. Ils les autorisent pas à rentrer. Et non, eux, ils se perdent leur temps avec les synthétiques, alors qu'il y en a que 4 à tout péter qui valent le coup d'être sauvés. Tout le reste, en fait, c'est des... C'est juste des répliques de gens, en fait, qui ont l'impression d'être en vie. Et c'est même pas genre, tu vois, on essaie de te faire croire que, ah, tu vois, là, il est sentient, il est pas sentient. Non, ils sont... Tout dans le jeu te montre qu'en gros, ils sont pas du tout sentients, hein, qu'ils sont en train d'exécuter un programme de répliques de personnalité. Hein. C'est tout. Et les quelques synthétiques que tu croises, c'est bah, tes deux compagnons, en fait, qui valent le coup. Le reste, en fait, c'est juste des... Bref, Bethesda n'arrive pas... Puis les personnalités des personnages, bordel, à l'aide. Ils sont tous des caricatures, en plus... Enfin bref, c'est... Mais j'ai bien aimé. Après l'avoir modé jusqu'à la moelle, le jeu devient vraiment stylé. Il faut le modder, sinon c'est pas drôle. Fait par Microsoft ? Non, Microsoft va juste financer, les gars. C'est... Ils vont rien toucher dedans. Oh bah tu sais, ça peut vite changer. Ouais, mais je pense pas. Ça leur appartient. Ouais, mais je pense pas. Je pense que ça... Après, est-ce qu'ils vont faire un Fallout 5 ? Je sais pas, hein. J'ai l'impression que c'est... En fait, je pense qu'ils vont essayer de maximiser pour le Elder Scrolls 6. Ouais, celui qu'ils devaient pas faire. Bah, celui, en fait, c'est très dangereux. Hein. En gros, il faut qu'il soit bon, très bon. Sinon, c'est la merde pour Bethesda, je pense. En termes d'image publique de ouf, tu vois. Genre, s'ils se foirent sur le 6, là, ça va être la merde. En gros, le 6, moi, je suis sûr d'une chose, c'est qu'ils vont... Personne dans ceux qui vont faire les rubriques et tout le bordel, il n'y a personne qui va leur faire passer ne serait-ce qu'un petit problème technique ou un petit problème de lore ou quelque chose. Genre, la moindre erreur, ça va être savaté, ce qui est un peu unfair, faut pas l'oublier. Mais je pense que c'est pour ça aussi qu'ils voulaient pas faire un suivant. Bah après, ils avaient dit que le cinquième c'était le dernier, donc c'est un peu dommage de revenir dessus. Ouais. Bon, en même temps, mec, surtout que le bon, ça commence à s'essouffler quand même pas mal. Hein. Ouais. Ça c'est pire en vrai. Non, alors genre, moi... Oui, il était très bien. Oblivion, bon, il commençait un peu à devenir chiant et à Skyrim. Non, moi je pense que. Non, en vrai, je pense que les Elder Scrolls, on peut encore en faire avec la formule qu'ils essaient de faire. Enfin, dans l'idée générale, parce qu'à chaque jeu, en fait, il change. Soit il adoucit, soit il la rend complètement indigeste. Sur certains trucs, mais non, je pense qu'il y a encore des histoires à raconter avec Elder Scrolls en mode. Oh oui, des histoires à raconter, oui, mais un jeu Elder Scrolls. Non, moi je pense qu'il y a encore moyen. Ils n'y arriveront pas. Oui, ça par contre, moi je suis persuadé, et malgré le fait que j'aime beaucoup les Elder Scrolls, moi je suis persuadé que le 6 ça va être une merde. Enfin, ça va être une merde dans le sens où ils vont pas. Je vois pas un monde où en gros ils y arrivent. Si jamais ils y arrivent, tant mieux. Il y a un truc où vraiment ils pourraient retourner le tout à leur avantage, mais c'est super risqué, ce serait de faire un Elder Scrolls sur Acavia. Oui, ah oui, avec les lames et tout, ouais, ça pourrait. Ça pourrait être très intéressant. Je reviens.
Ouais. En effet, ça peut être intéressant. Mono qui balance des débats sur des jeux qu'on n'est pas en train de coder. Alors, Monster Pool. Et ouais, il y a les Akavir, mais il y a aussi autre chose, je pense. Il y a plein d'autres trucs à explorer. Tout le passé d'Isgramor, rien que avec Isgramor déjà, ça peut être sympa. Re. C'est gars en mode. En mode genre, je deviens berserk. Après, c'est vrai qu'un Fallout en Europe, ce serait original aussi, hein, putain. Putain, imagine un Fallout en Paris. Bah, c'est surtout qu'ils pourraient vraiment prendre le truc à contre-pied et revenir sur tout ce qu'ils ont établi sur les précédents, en fait. Mais c'est surtout que même... T'as aucune information sur ce qui se passe dans le reste du monde, en fait, dans les Fallout, donc ils font ce qu'ils veulent, quoi. Rien que la Chine, savoir ce qui s'est passé pendant tout ce temps. Ouais, ouais. Parce que bon, selon l'idée, c'est ça que... Enfin, je crois que c'est ça, en plus. Et après, c'est super risqué, parce que s'ils font rien de plus que ce qu'ils faisaient avant, bah, ça a aucun intérêt. Ah oui, non, ça a aucun intérêt. Aucun intérêt. Mais bon, après, Fallout, c'est dans l'esprit américain, tu vois, c'est dans l'esprit du machin et tout. En fait, ce serait un pari risqué de le faire sortir des États-Unis. Ouais, carrément. Bah, c'est vraiment si tu veux relancer la série, quoi. Ouais, non, mais clairement. Mais là, faut que tu repartes sur des bases complètes. Genre, tu gardes juste le principe du jeu qui est un RPG avec vite fait le truc de force, machin et tout ça. Mais là, par contre, ça marche. Y aurait pas de Volt. Y aurait pas de. Ce qui fait un petit peu, tu vois, l'image du jeu, c'est-à-dire le Volt Boy. Tu pourras pas l'avoir s'ils le sortent autre part qu'aux États-Unis. Parce que c'est ça, en fait. Tout ce qui fait l'imagerie de Fallout. Que ce soit dans l'interface, que ce soit, tout ça, c'est le Pip-Boy, c'est le machin. Et en fait, dans le monde de Fallout, c'est tellement écrit que bah, c'est que aux États-Unis et c'est marre. Ouais, justement, en fait, s'ils partent là-dessus, difficile de partir là-dessus. Ils doivent tout refaire. Parce que la mascotte aussi, ouais. Mec, pense juste ça. La mascotte, tu lui dis au revoir aussi. Hein. Et ça, je pense pas que c'est. La mascotte, ça change en vrai. Ouais, mais c'est pas acceptable Ils ont plus le choix. Les mecs, ils ont plus le choix. Hein. En vrai, ils ont encore un petit choix. Est-ce qu'on n'a pas encore vu... Je pense pas. Hein. Si, enfin, tu vas voir qu'ils vont nous sortir... Dès qu'ils vont voir que Miami, si jamais là, les mecs là, qui sont en train de faire Fallout Miami là, en loose day, là, les amateurs, qui c'est pas les Bethesda hein, qui les a commandés, c'est des amateurs fans qui le font. Et encore, je dis amateurs, mais bon. En gros, ils vont réutiliser en gros, l'engine du 4, mais ils vont refaire tout un jeu, mais qui se passe, il me semble, soit à Miami, soit en Californie, je sais plus. Et avec un gros délire années 80 derrière, je trouve, au niveau de la musique, et au niveau... Non, pas au niveau de la musique, peut-être de l'interface, parce que j'ai un peu peur, parce que du coup, ça dissonne un peu avec Fallout. Vu que c'est à ce moment-là que les bombes sont tombées, c'était ça, la culture, on va dire, en avant. Donc ce serait un peu bizarre de se taper des synthés et tout le bordel. Alors que, bon, en mode, tout le monde se le fait, hein. Soyons clairs. Hein. Tout le monde met du synthé, des musiques de synthé, de synthwave et tout le bordel dans Fallout, quand il mode. Mais bon, là... Je sais pas. Mais en tout cas, ça promet du bon, je trouve. Parce que du coup, ils essayent vraiment de faire tout un délire avec les plages et le machin et tout le bordel. Et moi, je pense que ce serait une mauvaise idée en termes marketing ou quoi. Enfin, moi, en tout cas, je serais pas le marketeur qui, ou le gars qui viendrait avec l'idée de venez, on sort. Parce que du coup, c'est plus Fallout. Tu vois ce que je veux dire? Dans l'imagerie et tout ça, genre, t'as plus l'interface avec le Pip-Boy, t'as plus Pip-Boy, t'as plus la mascotte. Pour en profiter pour faire toute une autre série de jeux dans le même univers. Comme ça. Voilà, c'est ça. C'est ça le truc. Mais du coup, ils peuvent pas l'appeler Fallout. Ouais. Ah, ils peuvent très bien l'appeler Fallout. Hein. Et ils devraient, à mon sens, l'appeler Fallout. Et marquer le coup que maintenant, bah, là, le côté américain, c'est fini. Ils reviendront plus dessus, parce qu'ils en ont déjà bien assez parlé. Alors, on oublie un truc, c'est que c'est fait par des Américains. Oui, mais ça, par contre, c'est un autre problème, tu vois. C'est pour eux, il n'y a que qui existent dans le monde. Voilà, donc du coup, c'est... Et puis, vu qu'aujourd'hui, aux États-Unis, quand ils essaient de parler d'une autre culture, quand on leur dit rien, ça se passe. Mais généralement, tu as toujours des gens qui vont leur faire casser les couilles et ils veulent pas de mauvaise pub. C'est genre, on a perdu l'intérêt de... Une mauvaise pub, ça reste une pub. Non, là, une mauvaise pub, c'est la merde. Clairement. Pour la majorité des gens, à part pour Last of Us 2, où en gros, c'était un peu le délire justement de diviser les gens, et ils ont joué là-dessus. Je pense qu'avec avec 76, ils l'ont bien compris, hein, qu'une mauvaise pub, c'est pas une pub, forcément. Allez-vous d'acheter le jeu. Je vois la référence, Mono. Un Fallout en Russie, en Sibérie. Oui, non, mais ça, par contre, tu vois, moi, je suis complètement d'accord.
Mais du coup, il devrait l'appeler genre Fallout Otherworld ou Fallout machin, tu vois, genre rajouter un truc derrière pour dire alors, c'est dans l'univers de Fallout, mais vous attendez pas un délire comme ça. Mais de toute façon, voilà, c'est comme tu le dis, Mono, Stalker, il y a plein de jeux en fait qui partent un peu sur ce délire-là. Hein. Faut pas l'oublier non plus. Du coup. Alors. Donc ça on l'a fait. Mais la Chine peut être un bon délire car dans le lore c'est l'ennemi principal des États-Unis. Ouais, bah c'est ce qu'on disait tout à l'heure. La Chine ce sera une bonne idée. Mais avec la Chine qu'on a actuellement dans notre monde véritable à nous, bah alors. Tu tentes pas. Tu tentes absolument pas en fait. Parce que quoi que tu fasses, hein, si jamais genre tu fais pro-Chine, la Chine est contente, elle fait ok stylé, vous pouvez le sortir. Et par contre, t'as tout le reste du monde qui n'est pas en Chine, par tout le monde, qui ouais. N'est pas voilà, t'as tous les gens qui soit ne travaillent pas dans chez Bethesda ou qui ont fait le jeu ou qui sont chinois, enfin chinois genre pro-Chine, hein, j'entends. Bah en gros, ils vont péter un câble et dire putain, vous êtes des vrais vendus les gars, vous êtes des vrais sacs à merde. Et si jamais ils font un truc anti-Chine, bah t'as la Chine qui fait bonjour, ta gueule, tu le sors pas. Ouais, ils pourront le sortir, c'est juste qu'il sortira pas en Chine, quoi. Ouais, et sauf que, par contre, il s'assied sur je sais pas combien, donc... C'est un gros marché, ouais. C'est un gros marché, ouais. Ils le feront pas, si jamais ils doivent dire non... Enfin, si jamais ils peuvent pas le sortir en Chine, ils le feront pas. Et dans les années 50-60, ils s'en foutent. La Chine, elle part du principe que quoi qu'il arrive en Chine, que ce soit de toutes les périodes, même les celles avec lesquelles elles sont pas d'accord, avec le gouvernement actuel, enfin, Winnie the Pooh actuellement, qui n'est pas d'accord avec ça... Il s'en fout, ça reste quand même la Chine. Donc quelque part, il faut quand même que tu lui suces le darche. Donc, si c'est jamais c'est comme ça... C'est pour ça que du coup, Fallout 6, ce sera pas fou. On va se faire censurer, là, avec ce que tu dis. De quoi ? On va se faire censurer. Ah oui, c'est vrai que Twitch et Blizzard sont pro-censure là-dessus aussi. Bon, bref, vous avez compris l'idée. Le mec qui tient pas du tout à la chaîne. Bon, on fait pas de politique, mais on n'est pas des vendus. Merde. Pas compris. Mince, du coup j'ai oublié quel monstre je devais faire là. Tout ça, j'ai vu Hulor, il a pas trop avancé. Si, j'ai grave avancé. Il y a que 3 lignes dans ton fichier là. Ouais, mais il y a plein de nouveaux fichiers. Ah ouais. Ah, il y en a un qui s'appelle troller.hpp. Ouais, t'as vu. Ça bosse dur. Je regarde comment ça marche les NLC pointeurs. Là. Juste c'est assuré que c'est pas nul. Je reviens. Donc ça peut être bien au final. Ouais, mais en fait, on peut juste envoyer la référence. Envoyer la référence. Simple. On est obligé de l'avoir, sinon on n'a pas de. On peut pas changer le menu. Oui. Après, je suis pas sûr pour le optional contrôleur. Non. Comment ? Le root container, c'est quoi ? Ah oui, c'est là-dedans, dans ce container, que tu vas mettre le... Le menu. Ok. Comme ça, il pourra... En fait, c'est lui qui pourra, genre, changer le menu... directement, en fonction de ce que le contrôleur actuel lui dit de faire, quoi. Comme ça, c'est transparent, parce que de toute façon, derrière, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait juste un render de la route. On s'en fout de ce qu'il y a dans le container.
Ce sera dans l'update du coup du contrôleur que ça se passera. Du flow controller du coup, parce qu'on commence à y avoir trop de contrôleurs différents. J'en suis choqué par notre vélocité de développement. Oh là là, je suis tout estoubi. Estoubi. Très bien. Je vais mettre ça dans mon dictionnaire. Allez. On mettra ça dans le lexique qui sera apparaître. Un jour. Alors, du coup. Alors, il est 51. 19h51. Ça va. Encore 9 minutes. Tac-t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 ac. On n'a pas fait la mise à jour. Non. Non, j'avais dit que je ne la faisais pas ce soir. Ah, il avait prévu. Trop risqué. Ça a tout pété là, je vous vois venir. Mais non. Allez, on est fou, on met des diablotins. On est comme ça chez GM Spell. De t'enfoiré par contre. Voilà, 12. Ah oui, non, c'est un... Vu qu'il est en référence, oui. J'ai besoin de la taille exacte. Quoi. Non, non, une référence à ce format. Non. Même quand il est dans le... comme ça. Oui. Ah ouais. Bien sûr. Ah ouais. Ah oui. Container, widget, component... j'ai remis une clé, bien sûr. Le bass contrôleur. Du coup, le bass contrôleur, c'est pareil, j'en ai pas besoin. Ou l'optionnel, il a besoin quand même de la définition. L'optionnel, ouais, il a besoin de la taille. Puis il le crée au final, non? Ouais, parce qu'en fait, il a un tableau de. Il crée un tableau de bytes qui fait la taille de l'objet pour le remplir quand il faut glitcher. Yes. Donc là, j'ai besoin de l'avoir. Ouais. Donc j'ai mis un SA contrôleurs. Est-ce qu'il y a un SA contrôleurs? Ouais, il y a un SA contrôleurs. Donc il aurait le container. Une fonction d'init du coup qui prendra du coup le main menu, l'update qui appellera le update le process input. Et je me demandais si du coup en fait c'est pas lui qui serait responsable de charger les menus. Sinon ça veut dire qu'il faut que je l'envoie. Ça
sachant qu'il n'y a que lui qui en a besoin. Pas déconnant, je suis cher venant. Moi je pense. Parce que c'est qu'il n'y a que lui qui va en avoir besoin et il n'y a que lui qui va les connaître au final. Faut... C'est ça. Tout le reste c'est du render abstrait. Bon, bon, il va sûrement s'occuper de charger les menus, donc il aura probablement un tableau de menu descripteur. Ça va être bizarre. Tu les mets dans un tableau ou tu peux les mettre séparément, enfin, je pense pas que tu auras 45 minutes d'écran. Ça me paraît très logique d'avoir une variable par menu. Alors ouais, pas complètement déconnant, mais en même temps tu vois si, si les actions c'est go to le menu numéro 3, bah si c'est dans un tableau c'est plus simple. Alors que si c'est namé, tu vois, genre faut aller chercher exactement celui-là en fonction de la valeur de l'énum ou un truc comme ça. Ouais, je sais pas encore en fait, mais... Si tu le mets dans une variable, c'est plus facile de les chercher quand c'est, une énum. Si c'est go to menu pause, et ben, tu vas dire ben, current contrôleur égale pause contrôleur. Pas mal. Ouais, mais tu vois, si t'as une énum qui fait qui a des valeurs de 0 à 5 et que ton tableau crochet 0 c'est main menu et que l'énum c'est go to main menu. Oui, ça marche aussi. Bon. Mais les deux se valent hein, en vrai. Hein, c'est juste que. Je sais pas encore trop comment on va faire ça. Je suis pas décidé, surtout quand pour le moment on a qu'un seul menu donc. Je cherche le nom de mon fichier, je sais plus comment je l'appelais. C'était menu flow. Menu flow. Flow menu. Je sais plus, Philippe. Menu flow. Du coup, ici, on va voir quand on va voir. Je pense qu'il ment. On va dire qu'il ment. Il ose. Donc ça, oui. Et parce que tu les as définis dans le header déjà. Peut-être qu'il n'a pas. D'accord. Ouais, ouais, ça doit être... c'est peut-être ça. Je pense pas parce qu'il a l'air de dire qu'il trouve pas le fichier donc il doit pas connaître en fait le truc. Mais c'est sûrement parce que ce fichier est pas encore compilé donc si tu l'as il a pas d'entrée dans le compile commande. Tout à fait. Il devient peut-être fou à cause de ça. Il va avoir besoin d'un allocateur aussi. Comment on définit ce truc là? NLC allocator T. Allocator underscore T référence alloc.
Avec un peu de sauce, on t'aura besoin que dans le constructeur, dans l'init. Ah non, ce qu'il faudra que je puisse créer des menus à la volette. Tu peux pas tous les charger et après juste tu les interchanges. Juste mets un pointeur sur le courant. Ah, moi je pourrais les créer dès le début. Ah, quoique, bah ça dépend de la taille de ton jeu, mais peut-être si tu charges tout, ça peut faire un peu vénère. Bah, puis surtout, si tu modifies un menu, que tu le quittes et que tu reviens dessus, t'as envie de le recréer depuis le descripteur, tu vois. Ah ouais. Coup de full allocator. Okay. Là, c'est fini ici, tu vois. Ça c'est le cas facile parce qu'on le fait qu'une fois, mais si on venait à avoir un autre switch de menu et qu'on revient sur le menu principal, a priori on ferait ça à nouveau. De toute façon, c'est pas comme si le changement de menu devait se faire régulièrement non plus. Ça doit pas être trop problématique de les allouer quand il y a besoin, quoi. Ça, et puis comme ça, du coup, je pourrais envoyer l'allocator au super process input. Ah bah non, c'est pas le process input qui en a besoin, c'est le menu contrôleur. Parce que lui aussi, il garde une référence sur l'allocator. D'ailleurs, il est pas bien cet allocator. Arrêtez tous les compteurs. Débranchez tout. Bah, c'est pas mal, comme ça on sait ce qu'il y a à faire la prochaine fois. Ouais. Au final, ça encore être du rangement de code, quoi. Fait que ça. Il faudra ranger tout ce qui a déjà été fait dans le menu flow control. Ouais, du coup. Une heure d'écriture de code, 2 heures de rangement. C'est ça. Au moins, c'est tout est clair, tu vois. Mais oui, c'est clair. On a des objets atomiques au bon endroit et du coup, maintenant, on aura presque un flow de menu fonctionnel à peu de choses près. Pardon, mais avec le chien qui meurt derrière. Ouais, il y a l'autre connasse derrière. Du coup, ça fait un peu anticlimatique. Ouais, ça ne marche pas très bien. Hein. On aura des trucs à faire. Ah, à l'aide. Bref. Ouais. Donc, mesdames et messieurs, nous allons finir ce live ainsi. Du coup, prochain live. Moi, jeudi, je ne serai pas là. Jeudi, tu seras pas là ? Non. Du coup, je sais pas si tu seras tout seul ou quoi. Pardon. Non, il sera pas là. Jeudi, moi, ça va être compliqué aussi. Et après, je suis pas là du week-end. Tu n'es pas là, quoi ? Le week-end après, vendredi, samedi, dimanche. Mmh. On va essayer de se débrouiller. Je sais pas si tu lives tout seul mars. On va voir. On va essayer de voir ce que je fais. Si ça se trouve oui, si ça se trouve non. À voir. J'essaie de trouver un moyen de rendre le live pas trop chiant pour jeudi. Si jamais je trouve rien de vraiment bien concluant, bah écoutez. T'as dit que tu devais repasser sur tous les persos parce qu'il y a des nouvelles features dans. Reforge. Ah non, mais je vais pas faire un live, on revient en arrière et on refait tous les persos quand même, ça va être chiant, sachant que c'était juste pour un concept, enfin, je sais pas, à voir, parce que franchement, après, voilà, c'est comme ça, ça a été fait, c'est fait, évidemment. Bon,
Eh bien, écoutez, sur ce, oui, je vous souhaite une bonne soirée. Et on se retrouve très vite. À bientôt. LOL MDR. Passez une excellente soirée. Tchuss! Oh.